Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, je passe en revue la manette Craftman 216 outils. Donc, voilà la bête, 11 kilos. Donc la poignée ne se rabat pas, donc elle est toujours préhensible. Et ici, on a deux petits trucs qui coulissent pour ouvrir la boîte. Donc sur la partie supérieure qui est là, on a les embouts, donc soit du torx, du cruciforme ou du plat. On a les douilles longues en demi-pouce, 3/8 de pouce et quart de pouce. Et on a les clés mixtes du 19 au 9 mm. Et sur cette deuxième moitié, on a les douilles de taille normale. Donc en demi-pouce, ça va du 32 au 13 mm. En 3/8 de pouce, du 19 au 10 mm. Et en quart de pouce, du 14 au 4 mm. Là, c'est vraiment tout petit. Donc on a ici aussi un jeu de douille. Alors c'est soit du torx inversé, soit de l'étoile. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est du E24 jusqu'au E4. Ensuite, on trouve les trois clés à cliquet. Donc demi-pouce, 3/8 de pouce et quart de pouce. Avec les rallonges, donc rallonge en demi-pouce ici et là, rallonge 3/8 de pouce, et les rallonges en quart de pouce se trouvent ici. Ici on a des douilles spéciales pour attraper les bougies, et là toute une ribambelle d'embouts, donc pareil, du cruciforme, du torx, mais aussi d'autres formes plus spéciales comme celle-ci, en forme d'engrenage un petit peu. Ici on a un gros embout hexagonal, donc de l'Allen, de 14. Et un gros embout en torx T70. Et enfin ici, on a deux tournevis pour placer les embouts. Ici, vous avez des petits adaptateurs pour 3/8 de pouce et demi-pouce pour pouvoir utiliser les embouts qui sont là. Alors tout d'abord, les embouts qui se trouvent là-haut, ce sont des embouts dits de sécurité. Quand on utilise le tournevis là, il y a une petite bille ici. Et à l'intérieur de l'embout, il y a une petite rainure, ce qui fait que la bille vient se loger dedans. Fait que l'embout ne va pas tomber quand on l'utilise. Ensuite, au niveau des clés mixtes, donc comme je vous l'ai dit, c'est du 19 au 9. Donc fourche d'un côté, œillet de l'autre, œillet à 12 pans ici. Donc tous les outils de la manette sont en chrome vanadium. Alors qu'est-ce que c'est que le chrome vanadium? Eh bien, c'est tout simplement de l'acier auquel a été mélangé une certaine proportion de chrome et de vanadium, qui sont deux éléments qui permettent de renforcer les outils. Donc plus il y a de chrome et de vanadium, plus les outils sont durs. Et donc le fait d'avoir des douilles en chrome vanadium, eh ben, ça permet en fait d'avoir une épaisseur ici qui est très très fine. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait la trace hexagonale ici, elle est vraiment au plus épais, on doit avoir quoi là, 2 mm. Donc c'est vraiment très fin, ça permet d'accéder à des écrous qui pourraient être à des endroits où il y a des choses autour, ou vraiment placés dans des cavités de manière très exiguë. Donc voilà, ce chrome vanadium permet d'avoir cette finesse qui permet d'accéder aux écrous qui sont les moins bien placés. Voilà, donc si je fais une comparaison avec là une douille à impact, donc là c'est une douille à impact de 19 mm. Donc si je compare avec la même douille en chrome vanadium, donc là vous pouvez bien voir que la douille en chrome vanadium est bien plus mince que la douille à impact. D'ailleurs ça se voit sur le diamètre aussi. Voilà, au niveau du diamètre aussi, on voit que c'est beaucoup plus fin. Et donc cette finesse, elle est assez exceptionnelle, en particulier pour les douilles longues qui sont en quart de pouce. Donc là, vous pouvez voir, là, c'est la douille de 10. Donc là, le diamètre max, attendez, je vais vous le mesurer. Donc je prends mon pied à coulisse. Et là, vous voyez, on est à 13 mm de diamètre extérieur. Alors si je compare avec une douille spéciale clé à impact de 10 mm, et bien là, on se trouve à 17 mm de diamètre extérieur. Alors bien évidemment, les douilles en quart de pouce, elles sont réservées aux écrous de petite taille. Donc ça va du 4 au 10. Pas besoin d'aller à plus grand que 10 mm. Parce que dans ce cas-là, on passe au 3/8 de pouce, qui va là de 10 jusqu'au 15. Et ensuite, évidemment, pour les plus gros écrous, il faut passer en demi-pouce, qui va jusqu'au 22 avec ses grandes douilles. Donc en dessous, les douilles en demi-pouce, bon, ben, vous pouvez voir, hein, c'est quand même de la qualité. À l'intérieur, je ne sens pas de bord coupant. Tout est bien en métal brossé. Donc, sur toutes les douilles, la dimension est gravée. Donc là, il n'y a aucun risque que ça s'efface. Pour les douilles en quart de pouce, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont vraiment petites et très fines.
Et on a ici les douilles en torx et en étoile, qui sont en général assez rares à trouver dans des mallettes comme ça, de clés à cliquet et de douilles. À propos des clés à cliquet, celles-ci sont vraiment bien faites, la poignée est ergonomique. Je vais vous montrer une clé à cliquet qui n'est pas ergonomique. Voilà. Voilà, typiquement, une clé à cliquet qui n'est pas ergonomique. Le fait d'avoir un manche comme ça en métal, c'est pas pratique déjà à prendre. En vissant ou en dévissant, je me suis déjà retrouvé assez souvent à donner des coups avec le bout du manche dans la carrosserie, donc à rayer la peinture. Donc ça, je ne fais pas. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces clés à cliquet ont beaucoup de clics, justement. C'est-à-dire là... Vous voyez ? Donc quand vous êtes dans un endroit exigu et que vous n'avez pas beaucoup de place pour visser ou dévisser, voilà, vous voyez que là, il y a beaucoup de clics. Donc si je compare avec une clé à cliquer de merde, je vais faire un quart de tour avec celle-là et on va compter les clics. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10 cliquets. Maintenant, on essaye avec celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, j'en ai compté 20, donc c'est le double de la clé pour lingue qui est là. Alors, des outils de merde, j'en ai aussi dans ma servante. La servante là, je l'avais payée 300€ et elle est venue avec tous les outils dedans. Donc là, je peux vous dire que les outils qui sont dedans, c'est vraiment pas terrible. Donc là, ici, j'ai aussi un jeu de douille et des clés à cliquet en quart de pouce, 3 huitièmes de pouce et demi-pouce. Alors, je vais prendre la 3 huitièmes et on va comparer cette clé à cliquet de 3 huitièmes avec celle de la manette. Voilà, donc déjà, la clé à cliquet de ma servante, elle a un bouton ici qui est assez gros, il est assez saillant. Donc ça, c'est le bouton pour faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc là, si vous comparez avec celle de la mallette, celui-ci est très fin. Alors, quel est l'avantage d'avoir un bouton ici fin? C'est tout simplement quand vous êtes en train de visser ou dévisser. Je me suis déjà retrouvé à tourner avec ça. Et puis que là, ça me change le sens parce que ça se prend dans quelque chose, dans des câbles ou quoi que ce soit qui traîne aux alentours. Alors ensuite, on a le nombre de clics. Donc là, si je refais un quart de tour avec celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celle-là, c'est encore pire, j'ai 8 clics pour un quart de tour. Donc là, pour pouvoir cliquer dans des endroits exigus, c'est des fois pas évident. Donc voilà, clé à cliquet de merde, bonne clé à cliquet. Et donc c'est valable aussi pour la petite clé de quart de pouce. Beaucoup de clics, donc qui permet de bien travailler dans les endroits exigus. Voilà, donc dernière chose, donc les trois clés sont équipées d'un bouton sur le dessus qui permet de libérer les douilles. Donc, par exemple, je mets une douille en appuyant. Donc là, elle est fixée, elle va pas se barrer. Pour la sortir, je rappuie dessus pour la sortir. Donc voilà ce qui concerne les clés à cliquet, bonne qualité. C'est en fait ça l'outil le plus important de la mallette. Donc ensuite ici vous avez des rallonges. Ici, une rallonge avec un carré qui vient se mettre dedans. Donc là, vous pouvez même l'utiliser si vous n'avez pas de barre de distension. Par exemple, si vous avez un écrou de cardan donc de 32 à dévisser, vous pouvez utiliser ça. Et puis là, vous mettez un tuyau qui vous permet d'avoir la distance du bras de levier assez suffisante pour avoir la force pour dévisser l'écrou de cardan. En parlant de cardan, il y en a trois ici. Oui, parce que ça aussi, c'est un cardan. Donc là, cardan demi-pouce, cardan en 3 huitièmes de pouce. Et en quart de pouce. Ici, juste à côté, les douilles longues spéciales pour prendre les bougies. Donc, quand la bougie est dans le moteur, on vient la clipser comme ça dans la douille longue. On la dévisse. Et quand elle sort, elle tient dans la douille. Voilà. Voilà, donc ça, indispensable quand on travaille sur un moteur à essence. Ok, donc on a quasiment fait tout le tour. Simplement, le dernier truc que je vais vous montrer, c'est ça, le petit convertisseur ici qui permet, en utilisant le 3 huitièmes, de mettre les gros embouts qui sont là. Voilà. Et donc là, on peut utiliser les gros embouts avec la bonne clé à cliquer. Voilà, donc l'énorme avantage de cette mallette, eh bien, c'est que toutes les douilles ont leur place, le remplacement est numéroté. Donc quand on est habitué, on sait exactement où chercher pour trouver la douille dont on a besoin. Et puis surtout, ça se referme, donc ça prend pas la poussière. Et c'est transportable. Donc voilà, cette mallette, elle est vraiment complète, très pratique. Les outils qui sont dedans sont de bonne qualité. Alors on va pas se mentir, c'est pas de la qualité top professionnelle. Parce que des outils de pro, vraiment, ça coûte très cher. Mais en ce qui me concerne, peut-être en ce qui vous concerne aussi,
C'est pas des outils que j'utilise 24 heures sur 24, tous les jours. Voilà, donc pour des mécaniciens amateurs ou pour des gens qui souhaitent débuter en mécanique, je trouve que cette mallette, c'est vraiment un bon compromis. Vous avez vu, les clés à cliquet, elles sont vraiment de bonne qualité. Vous avez vu aussi ce que c'était que des clés à cliquet de merde. Donc pour faire un bon travail, il faut avoir des bons outils. Et là, pour le coup, vous serez équipé. Voilà, si je commençais en mécanique et que j'avais cette mallette, je pense que je la compléterais avec une barre de distension. Donc une barre de distension, c'est ça. Ça permet d'avoir un grand levier, donc une grande force pour desserrer ou serrer les écrous. Donc la mienne est ajustable en longueur. Je l'ai achetée aux États-Unis. J'ai du mal à la trouver sur Amazon France. Donc dans la description, je vous mets un lien qui pointe vers un équivalent de barre de distension. Donc voilà, si vous voulez vous procurer cette mallette Craftsman 216 outils, vous avez deux options. Soit vous avez de la chance, vous regardez cette vidéo et on est avant le 15 décembre 2016, donc vous pouvez encore participer au concours de Noël. Donc vous cliquez sur le petit i qui est là ou là pour accéder à la vidéo. Et sinon, bah, je vous mets le lien dans la description et vous pourrez vous la procurer sur internet. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Alors si c'est pas le cas, vous me mettez un pouce vers le bas et vous m'expliquez dans les commentaires pourquoi. Et puis sinon, si ça vous a intéressé, vous me mettez un pouce vers le haut. Et vous partagez cette vidéo parce qu'il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui sera intéressé de la voir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, et rock'n'roll !